Auditrices et auditeurs de la grande radio Gandal, nous vous saluons partout où vous vous trouvez aujourd'hui à travers le monde, à l'écoute de l'émission de la Commission centrale de Portal Fibantal Foutajalon sur l'histoire récente de notre pays, la Guinée. Comme vous le savez, Sékou Touré ayant pris notre pays en otage, a fait croire que l'histoire de notre pays a commencé avec son ascension au pouvoir. C'est que la propagande du PDG a voulu faire croire aux Guinéens et à ceux qui s'intéressent à l'histoire de notre pays. Et comme vous le savez, il y a eu des patriotes, des Guinéens, des citoyens patriotes qui avaient commencé à lutter pour la souveraineté de notre pays, pour le bonheur de notre pays, pour le développement de notre pays. Ils sont nombreux. Et parmi eux, il y a une figure que le PDG n'a pas voulu que nous connaissions, que les générations actuelles connaissent, parce que jamais on n'en a fait cas à l'école. Ce n'était pas dans le programme d'enseignement scolaire, ce n'était pas encore dans les meetings de propagande du parti. Donc, comme vous le savez, ce patriote dont aujourd'hui nous allons parler, c'est le premier député de la Guinée à l'Assemblée territoriale française. Alors, c'est une personnalité que nous devons connaître parce que cette personnalité, avec ses compagnons d'alors, avait montré le chemin pour construire une nation dans la paix et la prospérité. Donc, comme vous le savez, toutes les deux semaines, nous nous rencontrons pour, avec cette émission. Et aujourd'hui, mercredi, nous allons commencer l'émission sur Yacine Diallo. Et comme d'habitude, l'émission a été préparée par notre collègue Bachir Ba et l'émission sera également présentée par lui-même. Après sa présentation, nous allons donner la parole au panel de la Commission centrale. Après le panel de la Commission centrale, celui de Radio Gandal aussi aura à nous aider à ajouter ses commentaires, hein, à rajouter ce qu'ils connaissent pour notre éventail de connaissances de notre histoire de la Guinée aujourd'hui, surtout concernant la vie et le travail et l'œuvre de Yacine Diallo. Après la commission, après le panel de Radio Gandal, comme d'habitude, on va passer la parole au public qui pourra poser, intervenir dans la langue de choix. Nous vous rassurons que ce sera traduit en français, puisque l'émission d'aujourd'hui est en français. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Bachir pour qu'il fasse la présentation. Bachir, si vous nous écoutez, nous vous passons la parole. Merci beaucoup, M. Barry. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Bonsoir au staff de la radio Fréquence Scandale et à tous les membres de la Commission centrale. Je vous souhaite une bonne soirée. Comme l'a introduit M. Barry, aujourd'hui nous allons parler de Diallo Yacine. On avait fait une émission sur lui il y a 2 ans en Poulard. Aujourd'hui, on va parler de lui en français.
L'une des raisons est que son anniversaire est le 18 octobre. Il est né, il naquit donc il y a 121 ans. À l'occasion de cet anniversaire, j'avais écrit un petit billet que j'avais intitulé « Mémoires et regrets » sur la date du 18 octobre. Non seulement cette date marque la naissance de cette figure prodigieuse et importante de notre histoire, mais aussi malheureusement elle marque une autre date triste, celle du 18 octobre 1971, où plus de 70 cadres guinéens furent sacrifiés sur recommandation de chamans pour que, prétendument, Sékou Touré puisse triompher de son ennemi d'alors au feu de Boigny. C'était pour marquer ces deux anniversaires, ces deux dates en contraste que j'avais écrit ce billet. Et il y a eu beaucoup de répondants, mais cela est une autre paire de manches sur laquelle nous reviendrons en d'autres occasions. En tout état de cause, le billet était consacré en partie à l'anniversaire de Yacine Diallo, dont on célébrait à cette date le 121e anniversaire de la naissance. Et qui était Yacine Diallo? Nous devons nous poser la question parce qu'il y a eu une tentative délibérée et bien menée de faire disparaître sa mémoire de notre histoire, de l'effacer complètement de notre histoire malgré l'importance qu'il occupe, comme nous allons essayer de le brosser rapidement ici. Pour présenter l'homme, nous écoutons Jean-Pierre Ndiaye, dont Diallo Yacine fut l'ami du père, qui préfaça le livre écrit par Boubacar Yacine Diallo, le journaliste guinéen. Il dit de Diallo Yacine, c'était un homme de caractère et d'honneur, corpulent et robuste, calme et équilibré, homme d'un savoir étendu avec une connaissance encyclopédique de l'histoire, des religions et des civilisations. Il était un leader naturel. Jean-Pierre Niaï ajoute que c'est avec le fervent désir de sortir les colonies des ténèbres de l'indigénat et conforté par sa vaste culture que Diallo Yacine s'attela avec ses pères à la réalisation de plans de développement économique des colonies françaises de l'Afrique après la Deuxième Guerre mondiale. Et comment nous allons brosser rapidement l'enfance et la formation de ce leader naturel dont Jean-Pierre Ndiaye parle. Diallo Yacine naquit donc le 18 octobre dans le village de Toulel Nouma près de l'Abbé, ça c'est près de Popodra. Il était issu d'une famille d'érudits musulmans, son père s'appelait Alpha Bakar Diallo, il était un conseiller de Alpha Yaya, le roi de l'Abbé. Il est dit qu'Alpha Bakar Diallo négocia le départ des troupes de Samori qui avaient assisté les Almamis du Fouta à écraser la rébellion Houbou. De par ses origines familiales, Diallo Yacine était imprégné de la mystique, de la connaissance, ce qui explique sa quête incessante de savoir si les civilisations et les religions, ainsi que l'universalité de sa culture, sur laquelle nous nous étendrons un peu plus loin. À son jeune âge, Yacine fut envoyé pour étudier le Coran chez le waliyu du Fouta de l'époque, Tchernalio Boubadian. Il se distinguait par son intelligence et son vif intérêt pour le Coran et l'école française. Il y a une histoire qui dit comment il est entré à l'école. Cette histoire est que de son propre chef, Yacine Diallo, allait à Kouroula, qui était l'école coloniale qui venait d'être presque créée. Elle a été créée en 1903. Il allait écouter les enseignements que les maîtres distillaient aux élèves. Lui n'était pas enrôlé. Il écoutait de la fenêtre. Un jour, de cette fenêtre où il était posté, il répondit à une question que le maître d'école avait posée à ses élèves. Aucun des élèves à l'intérieur de la classe n'arrivait à répondre à la question. Diallo Yacine répondit. L'instituteur insista pour que son tuteur l'enrôle à l'école. Et c'est ainsi, dit-on, que Tchernalio Boubadian demanda la permission à ses parents et Diallo Yacine fut enrôlé à l'école de Kouroula. Il se révéla être un élève prodige. À l'âge de 17 ans, il avait fini tout le cycle de l'école à l'époque. Il fut enrôlé à l'école normale de Corée, qui deviendra plus tard l'école William Ponty, d'où sortiront presque tous les cadres de la période coloniale. Diallo Yacine sortit de cette école avec
une position de majeur à l'âge de 20 ans. Et comme c'était la coutume à l'époque, les élèves brillants étaient appelés à exercer la fonction d'instituteur. C'est ainsi qu'à 20 ans, il devint un instituteur. Il exerça la profession pendant 20 ans à travers toute la Guinée. Il commença par Pita, Kissidougou, ensuite fut Kissidougou, Fotoba, Koya, Kindia, Guikedou et Conakry. Durant ces 20 années, Yassine étendit sa culture dans tous les domaines qui lui étaient accessibles. Il fréquentait les prêtres qui possédaient des livres. Il approfondissait ses connaissances de religion, des langues, dont l'anglais, le latin et l'arabe. Il y a une histoire qu'on a répandue sur Diallo Yassine sur laquelle nous devons nous arrêter rapidement. On dit de lui qu'il s'était fait chrétien. Mais les historiens disent qu'il avait embrassé la religion chrétienne par simple goût d'étudier le latin. Il était impossible d'avoir accès aux livres en latin et sans être chrétien. Quand le prêtre lui dit, il dit « Bon, d'accord, je peux me devenir chrétien pour pouvoir accéder aux connaissances qu'il voulait. » Et les adversaires politiques de notre nation ont répandu cette idée dans tous les esprits, disant que c'était un esprit aliéné, c'était un assimilé. Mais quand on regarde les vrais faits, on comprend que c'était un simple parcours d'un jeune garçon avide de connaissances qui ne faisait pas la différence entre les religions dont il voyait qu'elles avaient une racine commune. Parce qu'il est dit aussi que Diallo Yassine maîtrisait totalement l'arabe. Et il est impossible, pour qui connaît le Fouta, même de maintenant, à plus forte raison de l'époque, qu'un élève de Tchanalé Boubandian devienne chrétien. Qu'à cela ne tienne aussi, Diallo Yassine fut enterré quand il mourut dans la tradition musulmane dans laquelle il excellait parce qu'il avait appris l'arabe. Il obtint même un prix du prince du roi Séoud de l'époque. Donc, ceux qui répandent l'idée que Diallo Yassine était devenu chrétien, que c'était un assimilé, cela fait partie de la campagne de discrédit que les adversaires de notre nation, nommément le clan de Sékou Touré et de sa famille, ont répandu pour pouvoir éteindre cette figure que nous cherchons à tirer de l'oubli pour la mieux faire connaître de nos concitoyens. Donc, notons aussi que Diallo Yassine, dans sa folie de tout apprendre, avait appris l'anglais, il faisait de la musique, il jouait du violon. Et bien sûr, cette forme de curiosité était tellement rare qu'elle pouvait offusquer et choquer certaines personnes. Et ses adversaires politiques l'ont utilisé contre lui. Mais la démarche de Diallo Yassine était plutôt inspirée par l'universalisme, comme il le démontra durant sa courte carrière, qui, malgré son temps très court, aura marqué l'histoire de la Guinée, comme on aura à le relater un peu plus loin. Donc, Diallo Yassine devint ce tome sur lequel toute l'attention était portée. Et comme on l'a expliqué, l'époque, c'était la fin de la guerre. Et pendant même la guerre, Diallo Yassine avait participé à lutter contre le régime fasciste de Vichy, des colonies. Il aida à organiser des secours, il aida à organiser des fronts pour pouvoir supporter le front qu'il était en France. Parce qu'il comprenait déjà les dangers du fascisme que le régime hitlérien faisait peser sur l'Europe. Et donc, on assistait à la période de ce qu'on a appelé l'éveil politique des colonies françaises. Après la guerre, on a eu le relaté ici, les colonies françaises qui avaient aidé la France à se soustraire du joug du fascisme hitlérien avaient demandé non seulement que leurs conditions de vie soient totalement revues, qu'on abolisse le régime de l'indigénat, mais aussi qu'ils participent à la gestion de leurs propres affaires. Et c'est à cette époque que Diallo Yassine commençait, avec sa profonde culture, sa profonde compréhension de l'histoire, à émerger sur la scène politique. Et tout naturellement, quand il s'agit de d'élire des Africains à une assemblée de second rang qu'on appelle le deuxième collège, le choix pour la Guinée se porta naturellement sur lui. Il avait bien sûr des concurrents dont l'un d'entre eux, Mamba Sano. Eh bien,
Mamba Sanou, il bâtit Mamba Sanou et je suis élu à l'Assemblée constituante en 1946. Allô? Il y a un bruit de fond là quelque part. Ok. Donc, et à l'époque, il y avait deux courants majoritaires qui luttaient pour l'émancipation africaine. Il y avait le courant du RDA, dont le chef de file était Oufet Boigny, et Diallo Yassine participa aux préparatifs de ce groupe. Mais très vite, il comprit qu'il était phagocyté par les communistes. Et lui, Lamine Gueye, et accessoirement Léopold Sédar Senghor, refusèrent de participer au congrès. Diallo Yassine assista au congrès, mais après il se retira. Lamine Gueye refusa d'assister au congrès de la naissance de Bamako, de la naissance du RDA à Bamako, parce qu'ils avaient vu qu'il était phagocyté par les communistes. Et c'est un aspect extrêmement intéressant de l'histoire du RDA, le fait que les communistes aient essayé de le phagocyter pour en faire un accessoire pour leur lutte d'expansion idéologique. Et nous savons qu'en Guinée, particulièrement, ils apportèrent une aide très sérieuse à Sékou Touré, qui contribua avec celle du Cornille Gentil sur laquelle nous allons nous étendre autant qu'on peut à l'émergence et à la victoire de Sékou Touré. Donc, Diallo Yassine, Lamine Gueye et Senghor se retirèrent de ce mouvement. Ils constituèrent un autre mouvement qui, dans la suite de l'histoire de l'évolution des colonies, s'étendit et dont les Bari Diawadou, les Bari III furent les héritiers et qui avaient une vision beaucoup plus différente de celle du RDA dans la construction de l'Afrique de l'après-guerre. Malheureusement, le RDA triompha à notre grand malheur. Donc, Diallo Yassine donc fut élu et il commença une carrière fulgurante à l'Assemblée nationale française. Il fit partie de toutes les équipes qui demandèrent que le système de l'indigénat soit aboli. Et il proposa un ensemble de lois extrêmement fécondes qui permirent la renaissance économique des colonies, la rémunération des produits, le retour, l'abolition des fournitures obligatoires qui permis à beaucoup de gens qui avaient fui les colonies, les rigueurs de la colonie, surtout au Fouta Diallo, de revenir. C'est à ce moment qu'on le surnomma Diallo Yassine. Et il alla plus loin, il inscrivit ses actes dans une vision plus large. 64 ans plus tard, après la disparition de l'homme, la stratégie que les pères de Diallo Yassine, comme les Lamine Gueye et les Senghor, avaient pensé à l'époque, et celle qui va permettre à l'Afrique de se développer. Le fait de l'avoir abandonné dans le populisme du RDA a été fatal à l'Afrique. Il pensait à l'éducation, il pensait aux infrastructures et il pensait aux institutions politiques et administratives solides. Les trois ingrédients dont on sait qu'ils constituent aujourd'hui les fondements de tout vrai développement. Eux, il y a 64 ans, ils pensaient déjà de cette façon. Malheureusement, le populisme de RDA va triompher avec les conséquences qu'on connaît. Donc, Diallo Yassine devint, à l'Assemblée nationale française, il devint une figure charismatique et sage, un pôle d'attraction de l'élite intellectuelle de toute son époque. Son appartement à Paris était comparable, ça, je cite Jean-Pierre Ndiaye again, était comparable à un véritable cénacle fréquenté par des hommes tels que Hampa Teba, Boubou Hama, Lamine Gueye, Léopold Senghor, Roger Garoudi, Gabriel Dargoussier, Barry Ibrahima Di Barry III, Telly Diallo, Pierre Mendès France, Félida Bossisoko, Guy Mollet, Aimé Césaire, Félix Oufet Boigny, Gaston de Monaville et Gaston de Fer. C'était vraiment le Gotha de l'élite française, de la métropole et des colonies qui se rencontrait chez Diallo Yassine pour bénéficier de sa sagesse et de sa vaste culture. Et grâce à ses relations et à son charisme, il fit de la Guinée le centre d'intérêt de la France et un pôle d'attraction pour les investissements. Il y a donc à son actif beaucoup de réalisations dont la Guinée se vante aujourd'hui qui furent initiées par Diallo Yassine. On peut citer rapidement le barrage de Concoré, dont il assura le financement par le FIDES à l'époque.
À cela, ils ajoutaient l'usine, le centre de recherche fruitière de Fouler, l'Institut Pasteur, le centre pharmaceutique de Sérédou. Et il mit aussi les écoles de formation des enseignants comme l'école de Dabadou. Et il était en train de crier, de pousser pour qu'on ramène tous les lycées, que les Guinéens Nord ne soient plus obligés d'aller étudier à Dakar quand ils ont acquis le CEP. Il participa à la construction de beaucoup de lycées, dont celui de Dalaba, et qui malheureusement ne vit pas le jour parce qu'il voulait en faire un lycée fédéral qui aurait attiré beaucoup d'élèves des autres colonies de l'époque. Il sponsorisa des projets de loi visant l'amélioration des conditions de vie des étudiants, des anciens combattants, et ainsi que d'un système mutualiste de protection pour permettre aux gens de pouvoir se soigner avec une forme d'assurance. Il promut la rémunération équitable des produits agricoles. Donc, le résultat fut immédiat. L'économie guinéenne commença à monter et les Guinéens qui avaient fui revers, et à l'Assemblée, Diallo Yacine bénéficia d'un vaste prestige qui lui permit de pouvoir pousser plus pour aider son propre pays. Donc, et même le président français de l'époque, Vincent Auriol, en 1947, lui rendit visite en Guinée pour lui montrer jusqu'où l'homme était prestigieux. Et c'est cet homme dont on ne parle jamais aujourd'hui. Rappelons-nous de ça. Et à cela, poursuivant sa propre approche du développement, il comprenait que la réforme des institutions traditionnelles était une nécessité. Il avait compris que la chefferie traditionnelle avait été un chemin, un couloir puissant pour la subjugation des populations pendant le règne de l'indigénat. Donc, il entreprit de vouloir la réformer, mais avec une vision lucide, il comprenait que c'est une institution traditionnelle qui a duré, qui a perduré, et qui avait des relations avec les institutions traditionnelles précédentes. Donc, il demanda qu'on fasse une réforme progressive. Et il demanda que les chefs de canton et les chefs de village soient incorporés dans l'administration, mais les activistes populistes du RDA dirent qu'il vaut mieux les abolir, il vaut mieux les contrôler. Et on sait que la première mesure que Sékou a prise quand il y a eu la loi Gaston Defer, c'était de supprimer la chefferie traditionnelle en l'accusant de tous les maux, en l'indexant pour pouvoir se décharger sur elle. Et cela lui permit d'instaurer le quadrillage du pays au niveau des villages. Donc voilà la vision que Diallo Yacine avait pour réformer les institutions traditionnelles, en faire des instruments de gestion au lieu d'en faire des gestions, des instruments de subjugation comme ce fut le cas avec le PDG. Et malheureusement, Diallo Yacine mourut en 1954. Les circonstances de sa mort restent toujours un mystère. Il eut une altercation avec Sékou Touré au niveau de l'Assemblée territoriale à propos de la subvention des syndicats, si j'ai bonne mémoire, et deux jours plus tard, il mourut subitement. La rumeur persiste que Sékou Touré le fit empoisonner par Mafori Bangoura. Cela n'a pas été vérifié, mais la rumeur persiste de nos jours. Et le fait que Sékou Touré avait déjà l'appui du gouverneur des colonies, Bernard Cornel Gentil, aucune enquête sérieuse ne fut faite. Sékou Touré avait déjà fait un accord avec Cornel Gentil à Dakar où on lui proposait d'amender, de maîtriser le RDA, de changer sa position et d'être un collabo de l'administration française. Par contre, on lui assurait une totale impunité dont il usa, on ne le rappellera jamais assez, pour vaincre ses adversaires politiques, dont il fit, non pas des adversaires politiques, mais des ennemis qu'il extermina graduellement. Donc, la disparition dans des circonstances obscures et encore douteuses de Diallo Yacine créa un vide énorme dans l'histoire de la Guinée. Dans ce vide, Sékou Touré s'engouffra avec la complicité de son amant, qui était le gouverneur
les colonies avec les entraînements de relations homosexuelles, il fit régner la terreur. Parce que, après la mort de Yalouh Yacine en avril 1954, il y eut une élection pour le remplacer. Et parmi les trois principaux candidats, il y avait Barry Yawadou, Barry Sékou Touré et Barry III. Eh bien, Barry Yawadou succéda, emporta les élections. Mais de nos jours encore, les turiféraires de Sékou Touré continuent à dire que Barry Yawadou fut favorisé par les colons. Alors qu'on a expliqué ici que Sékou Touré avait déjà passé un accord avec Corneille Gentil, le gouverneur de la Guinée. Alors qu'on a expliqué ici à plusieurs reprises que de 1954 à 1958, Sékou Touré fit régner la terreur en Guinée impunément, alors que Corneille Gentil avait donné l'ordre qu'on ne fasse rien pour l'arrêter. Alors qu'on sait que dans la configuration de la Guinée de l'époque, Sékou Touré ne pouvait en aucun cas mettre les pieds dans l'étrier d'un Yalouh Yacine. Barry Yawadou, au moins, était de la même trempe, et comme quand il sera élu pour servir la même œuvre, cherchant à améliorer les conditions de vie des gens, contrairement à Sékou Touré qui, lui, était obsédé par le pouvoir, et malheureusement qu'il acquerra et qu'il pourra utiliser pour détruire notre pays. Donc, voilà un aperçu rapide de l'histoire de Yacine Diallo. Si d'autres personnes peuvent intervenir, ils peuvent toujours. Mais ce dont on doit se rappeler, et pour toujours, on a développé une mythologie sur Yalouh Yacine. C'est notre devoir d'écrire son histoire. Son histoire, c'est celle d'un homme intègre, avec une large vision de l'histoire, dont les prémices restent toujours valables. Et si aujourd'hui nous sommes obligés de revenir revisiter cette histoire avec beaucoup de regrets, c'est parce qu'il y a eu une faillite totale. Et cette faillite ne s'est pas accompagnée seulement, n'a pas fait que des victimes physiques, elle a aussi tronqué la mémoire collective de la Guinée. Elle a effacé des figures qui sont des figures de proue et de référence, sur lesquelles nous devons revenir pour nous appuyer, régénérer notre énergie, recréer nos propres mythes et créer une dynamique dans laquelle on peut rebâtir le pays. Parce qu'on sait, en étudiant cette histoire, qu'il y a eu des hommes valables et qu'il y en aura, que notre société a sécrété des gens de la trempe de Yalouh Yacine, qui fut suivi par d'autres comme Diallo Télé, Barry Yawadou, Barry III, et bien plus tard par Karim Bangoura et bien d'autres qui furent des disciples de cette personne, de ce personnage, et qui cherchèrent à créer une nation, mais qui malheureusement tombèrent dans les pièges d'un homme qui était prêt à utiliser tous les moyens, y compris des moyens sexuels, pour accéder au pouvoir et l'exercer de façon autocratique. Donc, je m'excuse si j'ai été un peu long. Ici, il y a beaucoup de détails qui nous échappent. Il y a beaucoup de mythologies qui ont été développées autour de Yalouh Yacine. C'est à nous de les éclairer, de faire la part des choses entre ce qui est mythe, ce qui est réalité, et l'enseigner de façon graduelle pour que cette histoire ne soit pas perdue au profit de l'histoire mensongère et tronquée du PDG. Je vous remercie. Merci Bachir. Comme on le fait toujours, on va passer la parole au panel de la Commission centrale de postal, FI Bantal Fouta Diallo. Monsieur Lamine Diallo, s'il vous plaît, on vous passe la parole. Bonsoir. Bonsoir. Je passe ma salut à l'équipe de Fréquence Gandalf et tous les auditeurs de Fréquence Gandalf.
Merci, M. Barry, pour l'introduction. Et Bachir, merci pour l'exposé brillant sur la vie de Diallo Yassine et sa carrière. Franchement, je ne sais pas ce qu'il faut ajouter ici, sauf que Diallo Yassine a été un personnage qui a vraiment fait démarrer la Guinée dans la bonne direction. Si nous avions eu la chance d'avoir un monsieur comme lui, comme président de la Guinée, comme premier président de la Guinée, aujourd'hui, nous serions le pays le plus développé de l'Afrique de l'Ouest. Parce que la Guinée a eu de très bons cadres. Mais malheureusement, on n'a pas eu cette chance, comme l'a décrit Bachir, grâce par la faute du truchement de Corneille Gentil, qui a poussé ses coutourés au sommet de la structure politique de la Guinée. Diallo Yassine, comme il l'a toujours mentionné, a toujours été premier de sa classe. Depuis son enfance, quand il a été commencé sa scolarité à l'abbé, jusqu'à William Ponty, il a été toujours majeur de sa classe. Alors vous voyez très bien la différence entre le premier de la classe et le dernier de la classe dans l'exercice professionnel. Et je tiens aussi à noter ici que Diallo Yassine, pendant toute la période dans laquelle il a conquis le pouvoir en Guinée, il n'a jamais été responsable de la perte de vie d'un Guinéen ou d'un individu quelconque. Et sa conquête du pouvoir, sa carrière politique n'est pas entachée de sang humain. Il a gagné des élections normalement. Il a été reconnu et recruté par ses amis pour venir être candidat à la députation parce que tout le monde lui reconnaissait son intelligence et son esprit de tolérance et sa compétence. Donc, il est devenu, ce sont ses amis et les jeunes de l'époque, dont d'ailleurs mon père et M. Salih Popodra, qui sont venus lui demander de se présenter à la députation. Je dois lui rendre personnellement un honneur extraordinaire parce que il a mon propre grand-père paternel, Tchernama Masello, était prisonnier des Français à Fodoba. Et c'est grâce à Diallo Yassine qu'on a un peu allégé son séjour là-bas. Quand Diallo Yassine a été nommé directeur d'école là-bas, dans l'île, il est allé demander aux Français quand même d'alléger un peu ses conditions de détention. Et les Français lui ont permis maintenant de passer la journée dehors et dans le village au lieu d'être séquestré. Ça, c'est un aspect de ça. L'autre aspect, c'est grâce à lui qu'on a libéré l'un des chefs de canton de Dinguira qui s'appelait Mada Nidia. C'était l'oncle maternel à moi, le frère aîné de ma maman. Et mon oncle Dia, qui était extrêmement sévère, Mada Nidia, avait giflé le commandant blanc de la région de Dinguira. Donc, on l'avait arrêté à la suite de ça, mais ils ont essayé d'arranger. On est revenu, on lui a demandé de demander pardon au commandant et tout ça. Ils se sont rencontrés, il a giflé une seconde fois. Donc, cette fois-ci, ils l'ont enfermé à Fodoba. Là encore, c'est grâce à Diallo Yassine qu'il est sorti de prison. Donc, ça, c'est l'aspect humain du bonhomme. Je cite ces exemples pour un peu montrer l'aspect humain du monsieur. Mais, comme Bachir aussi l'a indiqué ici, c'est lui qui a mis fin à la traite du caoutchouc. Et vous savez que pendant, tout juste au début de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, les Français avaient imposé comme impôt l'extraction du caoutchouc, parce qu'ils utilisaient le caoutchouc pour faire des pneus. Et donc, ils ont demandé à tous aux colonies de fournir du caoutchouc. En Guinée, par exemple, il fallait aller en brousse et extraire du caoutchouc.
Et comme tout le monde devait extraire du caoutchouc, c'était difficile de trouver des arbres qui n'étaient pas encore occupés par quelqu'un ou qui n'avaient pas eu toute la sève extraite. Donc il fallait continuer à aller en brousse et les gens souffraient beaucoup. Certains mouraient, il y avait les animaux sauvages, il y avait les serpents. Et donc beaucoup de gens ont perdu leur vie là-bas. Et aussi les punitions étaient sévères si tu n'avais pas, pouvais pas venir avec la norme requise de caoutchouc. Et c'est Diallo Yassine qui a mis fin à ça. Ça, c'est un des aspects de services qu'il a rendu à la Guinée. Et d'autre part, vous savez, comme on l'a mentionné ici, c'est lui qui a mis fin au régime de l'indigénat. Par exemple, il a demandé, comme dans les écrits qu'on a eus, qu'on supprime, qu'on traite les chefs de canton comme des professionnels, des fonctionnaires de l'administration. Comme ça, au lieu qu'ils touchent leur salaire par pourcentage des impôts qu'ils collectent, ils sont payés. Parce que vous savez, la collecte des impôts a été abusée par beaucoup de chefs de canton de l'époque parce qu'ils avaient un pourcentage sur le montant qu'ils pouvaient collecter en impôts. Donc, c'était ce que l'administration française avait créé pour forcer les gens à aller collecter des impôts, à remettre à l'administration coloniale. Donc, franchement, Yassine Diallo a été une des figures célèbres de la période coloniale qui a permis et qui a lutté pour libérer le peuple africain. Et vous savez, comme on a mentionné à Paris, son appartement à Paris était le lieu de rencontre de tous les cadres africains. Bachir a cité les noms ici, je ne vais pas revenir là-dessus. Et je vais tout simplement noter ceci. Partout en Afrique occidentale, les premiers présidents, presque partout, les premiers présidents ont été des gens qui ont fini William Ponty ou des gens qui ont fait l'université. Ce n'est qu'en Guinée qu'on s'est retrouvé à la tête du pays avec un raté de l'école primaire. Un monsieur qui n'avait pas fini l'école primaire et qui avait été d'ailleurs vidé de l'école primaire, expulsé de l'école primaire, et qui s'est retrouvé au centre d'apprentissage à Conakry et qui était classé parmi les derniers là-bas parce que c'est les derniers qu'on orientait en menuiserie. Et par le truchement de Corneille Gentil, qui avait signé un pacte avec Sékou Touré, et qui se méfiait des cadres africains, dont Diallo Télé, Baridjan Wadou, Mamba Sano, Madera Keita, tous ces cadres africains-là qui étaient et qui voulaient vraiment l'émancipation de l'Afrique, ils sont allés recruter un médiocre qui pensait pouvoir manipuler. Les relations indécentes entre Sékou Touré et Corneille Gentil encore ont permis à ce dernier de le supporter et de l'imposer en Guinée comme leader. Donc, nous nous sommes retrouvés à l'indépendance donc avec ce monsieur-là qui n'avait pas un niveau suffisant pour gérer un pays. Et ça a fini en catastrophe. Donc, si aujourd'hui, nous voyons les conséquences de cette gestion-là de la Guinée et l'état dans lequel ce pays se trouve, et c'est dû au fait que Diallo Yassine est décédé très tôt et n'a pas pu mener la Guinée à l'indépendance. Donc c'est un malheur pour ce pays, ça a été une tragédie, sa fin a été une tragédie pour la Guinée, sa fin tragique parce que les soupçons sont toujours là, que les colons sont mêlés à son empoisonnement. Et donc, c'est le destin qui nous a amené ça parce que Corneille Gentil était le gouverneur de l'AOF. Et il n'était pas le gouverneur de la Guinée seulement, mais malheureusement, il a choisi la Guinée pour imposer un médiocre à notre pays. Et c'est ça les conséquences de l'avènement de Corneille Gentil comme gouverneur de la Guinée. Donc, je viens jusque-là, je ne vais pas m'étendre puisque Bachir a été complètement couvert sur les aspects de la vie de Diallo Yassine.
Donc, je m'arrête là et je rends la parole à M. Barry. Merci, M. le Président. Donc, si M. Kevin Ibrahim Diallo est à l'écoute, nous lui passons la parole. Merci, M. Barry. Je suis à l'écoute. Et je vous remercie très bien. Et je remercie la Commission centrale d'avoir initié cette émission radio, et je remercie aussi Monsieur Sankarila et ses amis d'avoir organiser cette émission. Cette émission est très importante pour notre jeunesse qui ignore totalement l'histoire de notre pays. Notre pays a besoin de retrouver son histoire. L'homme dont on parle aujourd'hui a été le premier leader de la Guinée. Il était brillant, était connu de tout le monde. Il avait des qualités immenses. Et toute la Guinée avait chanté les louanges de cet homme et toute la Guinée a remercié Dieu que cet homme ait eu la victoire parce qu'il a ramené le bien dans le pays. N'oubliez pas que il y avait les travaux forcés et que les Noirs souffraient beaucoup à cette époque par les travaux forcés que les colons imposaient. Comme le disait M. Lamine, l'exploitation du caoutchouc, par exemple, et beaucoup de choses, des travaux forcés extraordinaires, c'est Yassine. Lorsqu'il a été élu député à l'Assemblée nationale française, alors il a demandé qu'on arrête toutes ces choses. Il a fait voter une loi qui a permis aux gens d'avoir la liberté. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses à dire maintenant. Bachir a tout dit. Et ensuite, Lamine a clôturé. Mais quand même, et je me rappelle lorsque j'étais tout petit, j'entendais les jeunes filles danser, chanter, que heureusement, on remercie Dieu dans ce pays que Yassine Diallo ait eu la victoire. Sékou a sciemment fait pour masquer l'histoire. Refuser catégoriquement que l'on prononce. Je crois que lui, il n'a jamais prononcé le nom de Yassine. Parce qu'il ne voulait pas que les gens connaissent son existence. Et il a été dit que, selon des sources, que c'est Sékou qui l'a empoisonné, en passant par Mafori Bangoura. Mafori Bangoura avait des relations avec l'épouse de Yassine Diallo, qui était une femme soussou, qui est d'ailleurs la mère de Issa. Alors, elle s'est faufilée là-dedans, elle a utilisé du poison, et ainsi Yassine a consommé le poison et il est décédé le même jour. C'est très regrettable, mais quand même, c'est notre histoire. Alors, n'oubliez pas que aussi Abbé a dit que les gens doivent savoir que au temps de Yassine Diallo, la Guinée était heureuse. La Guinée était classée parmi les meilleurs pays de l'Afrique. Que les Guinéens ne doivent pas se tromper et qu'on peut élire un cadre valable comme Yassine, comme président de la République de Guinée.
l'époque que nous vivons et que nous avons toujours vécu, vraiment, a été très regrettable. Les 60 ans, que l'on appelle 60 ans d'indépendance, on ne sait pas comment qualifier ça. Est-ce que c'est 60 ans de regret? Nous allons toujours subir les conséquences de ces 60 ans parce que M. Sékou Touré, à dire, c'était pas un homme qui avait la qualité d'être président de la République. Il le sait, c'est la raison pour laquelle il a utilisé toutes sortes de violences. Il avait le goût du sang, il avait le goût du crime. C'est pourquoi, vraiment, la Guinée se retrouve dans cette situation. Sinon, la Guinée, avec tout ce qu'il y a de richesses naturelles et de ressources humaines, la Guinée n'avait pas droit à souffrir. Donc, moi, je clôture ici et je vous remercie tout le monde. C'est Tcherno Ibrahima Diallo. Merci. Merci à tous les intervenants quand même de nous faire comprendre quand même qu'il y a eu une autre manière de faire la politique dans notre pays, qui n'est pas celle qui consiste aujourd'hui à tuer des gens et réprimer. Et donc pratiquement, c'est pourquoi vraiment nous sommes très contents quand même de vous écouter. Quand vous nous relatez ce qui s'est passé bien avant la page sombre de notre histoire, je vais parler de l'accession de Sékou Touré au pouvoir. Donc, Ella Sankarela, et vous et votre panel, on va vous passer la parole. Nous avons besoin aujourd'hui aussi de ressources que vous allez nous donner dans notre connaissance de notre histoire. Yeah. Ibrahima. Allez-y. Allô, Alhaji Ibrahima. Ok, je crois que il a son micro fermé. Et là-dedans. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire hein, pour finalement Bachir a tout dit. Il n'y a pas grand-chose à dire. Tout ce que l'on sait, c'est que Yassine était un visionnaire et c'était un grand intellectuel. Ceci a été témoigné par beaucoup de personnes qui le connaissaient. Il faut savoir que beaucoup de choses ont été faites en Guinée grâce à lui quand il était député à l'Assemblée nationale française. Ceux qui connaissent un peu la Guinée, les maternités qui ont été construites en 30 ans à travers la Guinée ont tous les mêmes volets et se ressemblent tous, c'est les mêmes plans. Beaucoup de routes ont été faites à l'époque et c'était dans ce cadre-là. C'est ce qui a abouti à certains plans et autres choses. On ne va pas rentrer dans ces détails puisque Bachir a tout dit. Ce que l'on doit reconnaître, qu'on doit réhabiliter ce grand homme comme l'ont fait les Sénégalais. Vous voyez, au Sénégal, on n'a pas oublié les Lamine Gueye et autres. Et le grand aéroport qu'on vient de finir, le nom a été donné à ce grand homme qui était de la même époque que Yassine. Donc on n'a pas à dire, et c'est ce que l'on doit faire. Beaucoup de personnes doivent être réhabilitées, qui ont travaillé à l'époque, et qui avaient une vision. Yassine était tellement populaire en France, qu'il était jalousé par certains, qui étaient députés à l'Assemblée nationale, c'est le cas de Houphouët, qui ne voulait pas le sentir. Parce que si Yassine était resté vivant, peut-être que c'est lui que De Gaulle allait prendre comme ministre
pas ouverte. Ça, c'est sûr. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je vous rends l'antenne. Alhaji Ibrahim, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose ou si vous avez dormi, mais je sais qu'il est là-dedans. Oui, allô. Allez, Elhaj. Bonsoir. Et bonsoir à l'équipe de la Commission centrale et merci encore pour revenir sur le chapitre de M. Yacine Diallo. Je ne pourrais pas parler de lui parce que personnellement, d'abord, je n'ai pas eu à le connaître. Il est parti trop tôt. Mais je sais simplement que il a été la référence dans le temps de beaucoup de personnes. Parce qu'avec beaucoup de grands-pères et autres, on faisait la référence pour situer dans le temps avant la mort de Yacine Diallo ou bien lorsque l'on a voté pour Yacine Diallo. Parce qu'on entendait dire « Harry Ontouba Yacine Mayal ». Comme ça que j'entendais dire. Mais je sais aussi, à travers certains écrits, que c'est un monsieur qui a maîtrisé le latin, cette langue ancienne, et qu'il était un excellent joueur, un excellent musicien, un excellent pianiste et violoniste aussi. Donc, quelqu'un qui a compris le système européen, qui a compris ce que beaucoup d'Africains n'ont pas pu approcher. Donc, il était respecté par ces Blancs, qui voyaient en lui un Blanc à la peau noire. C'est tout. Et je vous remercie. Donc, hélas, merci. Donc, hélas, Sankarela. Si vous avez dans le public des gens qui veulent intervenir, il faut toujours les rassurer quand même qu'ils peuvent intervenir dans la langue de leur choix. Nous allons traduire et répondre s'il s'agit de répondre. Vous savez qu'on a toujours un problème de plateforme. Ce n'est pas tout le monde qui peut rentrer. Et je vous ai dit déjà qu'on a cette plateforme spéciale. Mais ceux qui veulent poser des questions, on peut faire le 712-770-94. 712-770-94 et faire le code 76-20-38. Le code 76-20-38, je saurais qu'ils veulent parler. Mais ce n'est pas facile pour les gens. Donc, revenons à l'antenne. Ok. Donc, là, Sankarela, je vous ai vu faire, disons, un parallèle entre la façon dont Diallo Yacine faisait la politique et vous avez également montré ils ont parlé de ce qui se passe au Sénégal, par exemple. Eux, ils n'ont pas voulu mettre un mur avec le passé, avec des hommes, les œuvres de ceux qui ont déjà contribué au développement de leur pays. Vous savez, en Guinée, c'est la politique de l'obscurantisme aidée par le culte de personnalité. Sékou Touré et son système ont voulu faire comprendre que la Guinée est une fabrication de Sékou Touré lui-même. Donc, c'est pourquoi vous nous entendons aujourd'hui que, alors, telle communauté, par exemple, le Fouta n'a pas voulu, ne s'est pas levé contre la pénétration coloniale. Alors que si l'on voit très bien ce qui s'est passé, mais disons, c'est le Fouta qui a été plutôt victime de la colonisation, donc, le Fouta a vivement réagi à la pénétration coloniale. Quand on voit aujourd'hui les églises, le nombre d'églises dans les autres villes, dans les autres régions, par rapport au Fouta, on voit que c'est seulement
C'est en Guinée qu'il y a eu quand même la lutte contre la pénétration coloniale. Donc, évidemment, il y a le PDG qui a toujours voulu faire croire que, en fait, tout en Guinée s'est passé Couturé et de ses Couturé. Mais heureusement, grâce à votre radio et à ces émissions-là, on arrive à ouvrir les yeux aux gens et de comprendre la vraie histoire de notre pays. Monsieur Barry, pour seconder ça, vous savez, bon, quand on a un dictateur complexé et au pouvoir, c'est ça les conséquences, c'est-à-dire il commence à faire croire que le monde a commencé avec lui. Donc il faut effacer le passé et dire que tout a commencé avec le PDG. Et même au PDG là-bas, c'est avec ses Couturé que ça a commencé. N'oublions pas que que c'est Madera Keïta qui était le premier secrétaire général du PDG et que c'est les Français qui l'ont affecté pour l'enlever de la Guinée par le biais de Corneille Gentil pour permettre à Sékou Touré de prendre le leadership. Mais il n'a jamais aussi parlé de Madera Keïta. C'est alors que c'est celui-là qui a dirigé la délégation guinéenne qui est allée à Bamako et à la réunion du RDA et qui est revenu diriger la création du PDG en Guinée. Donc tout ça, c'est parce que c'est un médiocre qui a pris le pouvoir. Sinon, il n'y a rien de mauvais à reconnaître les gens du passé. Et les gens qui ont aidé, je crois qu'au Sénégal, ils n'ont pas ce problème. Comme Senghor était un diplômé, un agrégé en lettres, il n'a pas ce complexe d'infériorité. Et ils se sont succédés. Les gens qui se sont succédés comme président du Sénégal ont tous fini l'université. Ce n'est pas des médiocres. Alors que chez nous, en Guinée, on est allé d'un raté de l'école primaire à un sous-officier de l'armée guinéenne qui n'avait aucun niveau. Et maintenant, bon, on a eu la période de Dadis et de Konaté là-bas. Et maintenant, on a un faux professeur qui est là, qui se dit professeur d'université, et qui fait pire que les autres pour peut-être. Donc, c'est ça le problème. C'est cette culture de la médiocrité qu'on a qui fait qu'on ne reconnaît pas nos grands hommes. Bien sûr. Ils ont passé le temps à liquider les cadres guinéens. On a fait ici des émissions sur ces grands cadres-là. Demain, on fera une émission sur un autre cadre guinéen, c'est Commandant Keïta. Qui a été le secrétaire général du syndicat des enseignants en Guinée. Et tout ça, parce que toutes ces personnes ont été liquidées physiquement par ce médiocre-là, qui ne voyait que des ennemis. Tant que si tu dis que tu vas liquider tous les gens qui sont supérieurs à toi intellectuellement, alors que toi, tu n'as pas fini l'école primaire, mais tu vas liquider tout le monde. Parce que l'école primaire, c'est tout le monde qui finit l'école primaire, à part les gens qui sont tarés. L'école primaire, tout le monde finit ça. C'est lui qui a raté ça. Donc, c'est ça le truc. Voyons ça comme un accident de l'histoire. Et les périodes coloniales ou les périodes difficiles dans la vie des pays, des nations, des peuples, conduit des médiocres au pouvoir des fois. Ça ouvre la porte aux médiocres des fois. Parce que c'est ce qui est arrivé en Allemagne entre les deux guerres. Un ancien petit caporal de l'armée allemande est devenu chancelier de l'Allemagne et il a mené le pays, Hitler. Et la différence aujourd'hui, c'est que les Allemands, eux, au moins, ils reconnaissent ça et ils sont en train de combattre ça. Ils enseignent l'histoire de cette période-là à leurs gens pour qu'ils sachent, pour ne pas qu'ils répètent les erreurs du passé. Alors qu'en Guinée, on vient de glorifier le gars, là, ici, au 60e anniversaire de l'indépendance, on vient glorifier un sanguinaire. Et on tait tous les crimes qu'il a commis là-bas. Bon, comment on va se sortir de ça si on continue à jouer aux idiots? Tu vois, même l'ambassadeur de Guinée qui est là, à Washington, ici, qui a passé toutes les années de Sékou Touré en exil, entre le Sénégal et la France. C'est lui qui vient organiser des soirées dansantes ici et qui fait défiler des photos de Sékou Touré. C'est regrettable. Je ne sais pas combien de temps on va continuer à jouer aux imbéciles. Il faut que ça cesse.
Il faut que la classe intellectuelle guinéenne cesse de jouer aux imbéciles. Il faut qu'il... Ça, ça aurait dû être une période de réflexion, de débat, pour savoir comment on allait nous sortir de cette situation-là, de catastrophe. Un pays naturellement doué. Ça aurait dû faire ça, au lieu d'organiser des mamayas ici, d'habiller nos femmes là, faux cheveux ici et tout ça, et aller danser, louer des hôtels chers et continuer à danser. Et malheureusement, même ceux qui ont voulu quand même qu'on réfléchisse sur le passé, la RFI avec son film sur l'impunité en Guinée, bon, vous avez vu, ça n'a pas plu aux supporters de Sékou Touré, y compris le chef de l'État. Donc, vous voyez, et on ne se pose jamais la question pourquoi Sékou Touré avait eu la faveur du gouverneur de Conakry. Parce que tout le monde sait, on a vu aujourd'hui avec l'exposé que nous avons eu suivi tout de suite, et la manière de faire la politique par ce père fondateur, Yacine Diallo, par exemple. Bon, alors que concernant Sékou Touré, avec tout ce que nous avons lu, les recherches que nous avons faites, nous avons compris ce que lui, il a donné. Qu'est-ce qu'il avait donné? En fait, on a compris quand même, il s'était donné lui-même, son corps, au gouverneur pour avoir ses faveurs. Et pour que celui-ci se taise devant la violence et face aux violences et aux crimes qu'il avait commis durant la lutte, disons, pour l'indépendance. Et aujourd'hui, on se tait sur ça et on se tait encore sur plus de les dizaines de milliers de victimes de Sékou Touré. On se tait sur des camps de concentration parce que le camp Bouaro n'a pas existé au temps colonial. Les camps de concentration n'ont été construits et fabriqués que par Sékou Touré. Nous avons vu le bilan, nous avons vu combien de fois, à la mort de Sékou Touré, en l'espace d'une semaine, tout a été, disons, toutes les structures toute la superstructure qu'il avait laissée là-bas a été détruite. Et spontanément par les Guinéens. On oublie tout ça. Et on avait chanté, dansé partout, dans toutes les régions de la Guinée, dans toutes les préfectures, on avait chanté, dansé, que le bon Dieu nous ait débarrassé de ce monstre-là. Aujourd'hui, vous avez des Guinéens qui se lèvent pour, disons, vanter l'œuvre de celui-ci. Vraiment, c'est grave pour notre pays. Moi, je voudrais ajouter un peu. Il y a un fléau que nous devons tous combattre en Guinée. Nous devons faire tout pour que ce fléau quitte notre pays. J'ai un ami en Côte Guinée. J'ai travaillé avec lui. Il avait écrit un très beau poème. À la mort de Sékou Touré, il a écrit un très beau poème pour Diallo Télé. Mais lorsque Diarra a fait le coup avorté, le coup d'État avorté, il a eu peur, alors il a voulu détruire le poème. J'ai tout fait, je l'ai prié de ne pas déchirer le poème. Il dit que non, il faut qu'il détruise. Ce n'est pas bon. Parce que, tout simplement, le clivage entre les ethnies. Parce que lui, il est de l'ethnie Malinké. C'est un excellent gars. Il est très cultivé. Mais quand même, quand il a vu que le coup de Diarra a échoué et qu'il y a eu la bagarre entre les Soussous et les Malinké, donc... Il a déchiré ça, il dit que non, ce n'est pas bon pour lui. C'est-à-dire que les politiciens ont sémé du mal dans notre pays, c'est-à-dire initié par Sékou Touré, et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Le grand malheur est que c'est lui-là même qui a séjourné presque toute sa vie en France, qui connaît ce qu'on appelle la démocratie. C'est lui qui sème la terreur aujourd'hui en Guinée. Et il s'est dit intellectuel.
Et il s'est dit même qu'il a des diplômes. J'ai vu quelque part où on dit qu'il fait partie des présidents les plus diplômés de l'Afrique. C'est lui-là qui sème des terreurs pareilles dans notre pays. Et il fait tout pour qu'il y ait la division entre les ennemis. Cependant que cela ne nous mènera nulle part. Et les ethnies-là ont vécu des millénaires ensemble dans ce pays. Il n'y a jamais eu des conflits majeurs entre ces ethnies. Il n'y a jamais eu, par exemple, une guerre entre les ethnies de Guinée. Mais les politiciens font tout pour diviser le pays. Donc, nous devons tous réfléchir comment se débarrasser de ce fléau dans notre pays. Je vous remercie. Merci, M. Jaltin. Je veux juste rajouter que la médiocrité et l'imposture des dirigeants, c'est ce qui entraîne l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme est créé, entretenu et nourri en Guinée. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Il n'y a aucune animosité entre Guinéens. Mais comme les gens sont incapables de faire le boulot pour lequel ils sont soi-disant embauchés comme président, eh bien, et que la Guinée, c'est une source de profit pur pour eux, sans effort, eh bien, il y a un écran concret qui s'appelle l'ethnostratégie pour masquer tous ces méfaits-là. La médiocrité, l'incapacité et la kleptocratie. Sékou Touré a créé ça de toutes pièces pour accéder au pouvoir parce que sans ça et l'usage de sa sexualité avec le gouverneur, il n'aurait jamais pu triompher. Il a utilisé le gouverneur pour avoir la force, il a utilisé l'ethnostratégie pour masquer ses méfaits et sa médiocrité. Et il a régné, vu comment il ne pouvait pas le taire, il a fallu qu'il aille en public et insulter les peuples de Guinée. Donc, il faut qu'on filtre, il faut qu'on comprenne sérieusement, pour une nation fragile comme la Guinée, la nécessité d'avoir des individus filtrés et capables. Il faut qu'on laisse toute forme de complaisance dans le choix de nos dirigeants. Sans cela, on continuera à être roulé par des médiocres. Les médiocres sont extrêmement futés pour accéder au pouvoir, et extrêmement futés pour masquer leur incapacité, et extrêmement futés pour jeter leurs échecs sur la tête des autres. Ça, on le sait, il suffit de regarder l'histoire de la Guinée. Donc, et à l'origine, je reviendrai à un point extrêmement intéressant de l'histoire qu'on aura peut-être le temps de recreuser, le populisme revendicatif du RDA comparé aux programmes de développement du PRA qui sont inspirés par des gens comme les Lamine Gueye et les Diallo Yassine. Donc c'est des démarches fondamentalement différentes. Le RDA c'était un mouvement revendicatif qui aspirait à occuper la place des colons, quitte à faire feu de tout bois, et les autres intellectuels qui se retrouvaient dans le PRA, malheureusement ils n'avaient pas la force, ils se sont laissés emporter. Donc voilà des points extrêmement intéressants de notre histoire qu'il faut qu'on voit, et on ne va pas laisser les médiocres masquer leur médiocrité et leur kleptocratie derrière l'usage de l'ethnie. On va s'y opposer, et contrairement à ceux qui nous reprochent d'être des ethnos, au contraire, c'est nous les défenseurs des vraies valeurs d'une nation unie dans le respect de la diversité. Il faut qu'on fasse ce point très clair. Je remercie Ken Ibrahim d'avoir apporté ce point parce que c'est un point extrêmement important. Tant que l'ethnostratégie n'est pas la cause de l'échec de la Guinée, c'est l'échec de la Guinée qui a engendré l'ethnostratégie. Et cet échec, il puise dans la médiocrité des dirigeants. Et la médiocrité elle-même a été permise par l'inattention des cadres qui ne comprennent pas que la politique, ce n'est pas seulement des belles idées. Il y a un aspect négatif extrêmement important, celui de combattre
les crapules qui aspirent au pouvoir pour se servir. Et ça, ça demande de la violence. On n'y coopera pas. Et tant qu'on tournera autour de ce pot, notre pays restera dans l'ornière de la faillite. Merci. C'est Bachir qui a raison. Et d'ailleurs, j'ai mis en ligne, hier, cette semaine-là, j'ai mis en ligne la commémoration du 63e anniversaire de l'école primaire de Kankalabé, où commandant Keïta a enseigné en 1941. Il a été affecté là-bas en 1941. Et il parle là-bas. Il a fait un discours. Et quand tu écoutes son discours, tu te rends compte que les Guinéens n'étaient pas des ethnocentristes, que l'ethnocentrisme n'existait pas en Guinée à cette période. Et si les gens étaient associés et étaient dans des organisations régionales, parce que c'était tout simplement parce que c'est ce qu'il faut. D'abord, l'être humain vient d'une famille. Donc, c'est l'extension de cette famille, c'est l'ethnie. Mais cela ne veut pas dire que la personne déteste les autres ethnies ou qu'il y a... Donc, sur ce plan-là, il n'y avait aucun truc. Il a fait une intervention brillante là-bas. Et les gens de Kankalabé là-bas, et les élèves qu'il a eus là-bas, l'ont applaudi et l'ont remercié pour ce qu'il a fait dans cette région. Donc, à l'époque, ils l'ont invité pour commémorer cette école-là. Donc, j'espère que nous pouvons extraire le passage là un peu demain pour pouvoir faire écouter ça aux gens. Et je vais envoyer d'ailleurs la copie. J'ai mis la copie sur YouTube. Et je vais donner le lien à la Sankarela pour qu'il écoute cette partie. Donc, je dis tout simplement que les partis politiques à l'époque n'étaient pas alignés ethniquement. On retrouvait les gens de toutes les ethnies dans tous les partis politiques. C'est cette trahison de secteur et cette personnalisation du pouvoir qui a introduit l'ethnocentrisme en Guinée. Et la culmination de ça, c'est le discours anti-peur qu'il a prononcé en 1976. Et quand il est allé blâmer toute l'ethnie peur pour son échec. La chose la plus bête, c'est d'aller blâmer toute une ethnie pour un problème que tu as. Tu n'arrives pas à développer ton pays. Tu vas blâmer toute une ethnie. À l'époque, je me rappelle, Jeune Afrique avait fait un article. Et le titre, c'était une citation de Confucius. Confucius, c'est un penseur chinois d'il y a peut-être 4000 ans. Et Confucius avait dit que le sage se demande quelles sont ses erreurs, le sot le demande aux autres. Donc, ça ne marche pas, quand ce que tu fais ne marche pas, ne va pas blâmer les gens. Blâme-toi toi-même. Parce que c'est ta responsabilité. Quand tu dis que tu es président d'un pays, le développement du pays, le bien-être des êtres, la paix, c'est ça ta responsabilité dans le pays. Donc si tu n'arrives pas à développer le pays, si l'économie ne marche pas, si l'éducation ne marche pas, si le commerce ne marche pas, c'est ta faute. Parce que c'est ta politique. Il a choisi en Guinée bêtement de dire qu'il va appliquer l'économie de sa politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans tous les autres pays réfléchis du monde, on fait la politique de son économie. Parce que c'est en fonction des réalités économiques, des trucs que tu crées une politique qui s'adapte à ça, qui te permet ton développement. Mais non, il a renversé le truc par la tête et il dit qu'il va faire l'économie de sa politique. Donc il fait ses choix politiques et puis il essaie de forcer l'économie dans ça. Donc c'est ça le problème de la médiocrité. C'est qu'on ne peut pas savoir prendre un recul et dire que vraiment cette direction-là ne va pas, on va changer de direction. Parce que tu ne consultes personne. Tu fais taire tout le monde. Je me rappelle une fois, je parlais avec Dr Ba, le gynécologue de l'hôpital Donka. Il était ministre de la santé à un moment donné. Donc il va dans un conseil de ministres, dans le secteur, et il fait des propositions pour voir comment améliorer la santé en Guinée.
les services de santé et tout ça. Assez couturé par la parole, lui dit, écoute, ne parle plus de ça ici. Si le peuple est malade, le peuple sait comment se soigner. C'est une idiotie totale. Le peuple est malade, le peuple sait comment se soigner. Alors, pourquoi en forme des médecins? Hein? Alors, tu vois tout ce truc-là, ce bonhomme qui est raté de l'école primaire, hein, a toujours souffert de ce complexe d'infériorité, et il voyait des mauvais et tous les autres qui avaient réussi et académiquement. Et il s'est entouré de médiocres aussi. Hein? Son beau-frère, ministre de l'Intérieur, était un camionneur au temps colonial. Il a fait éliminer les officiers de l'armée qui étaient venus de l'armée française. Il les a fait remplacer par les Lansana Conté, les Diarra Traoré, hein, qui étaient des caporaux, des sergents-chefs, hein, des sous-officiers, s'ils n'étaient pas des hommes de troupe. Alors tout ça, ça nous a conduit à cette armée de voyous que nous avons là-bas, de médiocres, de violeurs de femmes. Hein. Donc c'est le résultat de ce pouvoir-là. Médiocre. C'est l'être humain, c'est un pays, c'est la qualité des ressources humaines. Hein. Si elles sont là, elles sont bonnes, le pays marche. Si elles sont mauvaises, le pays ne marche pas. Aujourd'hui, ce que nous avons en Guinée, c'est la culture de la médiocrité. On me disait, ma soeur, il faut être vilain et bête en Guinée pour avancer. Et ce qui est encore malheureux, c'est quand on fait la comparaison entre les produits de son système, parce que Lansana Conté, Dadis, Sékouba Konaté, tout ça sont des produits de son système. Quand j'entends les gens dire, ah, aujourd'hui, nous regrettons Lansana Conté, vraiment, c'est malheureux pour notre pays. C'est vraiment malheureux. Ça, c'est l'échec quand même. OK, bon. De toute façon, je crois que grâce à ces rencontres-là que nous organisons, à ces émissions, les Guinéens vont comprendre qu'est-ce qu'il faut faire quand il s'agit de choisir un leader. Parce qu'il faudrait que les Guinéens sachent que le choix du leader, ça doit venir des sentiments patriotiques. Parce que quand tu donnes le pouvoir à quelqu'un qui n'est pas capable de l'assumer, on aura tout de l'échec en échec, comme ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, surtout depuis que Sékou Touré s'est fait mettre là-bas avec, à la faveur de ses sentiments, des sentiments qu'il a tissés avec le gouverneur Corneille Gentil. Donc, je crois que nous sommes à la fin de notre émission. Nous allons laisser aujourd'hui encore M. Lamine Diallo nous clôturer l'émission. Monsieur Lamine, si vous êtes toujours là, on vous laisse le dernier mot, tout en rappelant l'émission de demain. Oui, 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 nous avons toujours 6 minutes ici qui restent avant la fin de l'émission. Mais je vais tout simplement, avant de clôturer, si quelqu'un n'a pas d'autres réflexions ou quelque chose à dire, c'est que, observons un peu les pays dans lesquels nous sommes ici, en Amérique par exemple, là où nous sommes, faisons l'émission de l'Amérique. Hein? Et quand tu dis ici que tu es candidat présidentiel, ou tu es candidat de gouverneur d'un État ou sénateur, mais on fait des enquêtes sur toi, sur ton passé. Le FBI a ton dossier, ils font des recherches, ils voient si dans ta vie il n'y a pas eu de crime, il y a des choses anormales qui te disqualifient. Hein? Quand on te nomme ministre ici, hein, tu passes devant le Congrès ici avec un rapport du FBI, de la police qui est là, qui te suit. Hein? Et là-bas, d'abord, on regarde ce rapport-là avant que tu t'assieds devant les gens là-bas et commencent à te poser des questions. Tout ça, c'est pour s'assurer qu'ils n'ont pas des médiocres, des gens qui ne sont pas qualifiés. Bon, et nous, ce que nous avons là-bas, c'est un homme, des gens comme ça, ils sont là-bas avec des faux diplômes, ils disent qu'ils sont docteurs, hein, et bon, personne ne vérifie, hein, ils disent qu'ils sont médecins, personne ne vérifie. Hein. Nous avons eu un ministre de la Défense ici qui ne savait même pas, le ministre de l'Éducation qui ne savait même pas prononcer le montant de son budget, hein, et lire le montant de son budget.
le chiffre, c'est, hein, il mélangeait les millions et les milliards, tout ça. Oh, alors, quand on a c'est un système pareil. Hein, on s'entoure de médiocres. Et on dit qu'on a un doctorat, on a un professeur, on a fait droit en France, on a enseigné à la Sorbonne. Hein, on recrute, on forme un gouvernement de médiocres comme ça et on est à l'aise autour de ces gens-là. C'est ce qui crée ce problème. Donc, il faut qu'un jour, en Guinée, on revienne à nos sens et qu'on crée un système où on peut vérifier les diplômes des gens. On peut vérifier leur passé, on peut faire des enquêtes de moralité sur les gens avant de les nommer à des postes. Parce que c'est ça le problème de la Guinée. C'est cette culture de la médiocrité-là qui s'est instaurée dans ce pays, qui s'est installée là-bas et qui est là-bas et qui ne pousse que des médiocres au sommet de l'État. Et les conséquences de ça, c'est le vol, le pillage de l'économie du pays. C'est ça que j'ai un truc. Donc, je ne sais pas si je peux continuer à conclure. Vous pouvez continuer. D'accord. Alors, je peux ajouter un mot seulement. Oui. Le président Obama nous a dit que l'Afrique a besoin des institutions solides, des institutions fortes et non des hommes forts. Donc, l'Afrique en général, et particulièrement en Guinée, nous devons nous servir de cette leçon. On a besoin des institutions fortes. Les institutions doivent veiller à ce que les cadres qui doivent être mis au sommet de l'État, que ça soit réellement des cadres valables et non des médiocres, et non décomplexé. C'est ce que je voulais dire avant que vous ne concluiez, Monsieur le Président. D'accord. Je peux rajouter que bon, et comme on parle de Diallo et Yassine, c'est la référence de la culture. C'est la référence d'un homme qui a cherché à embrasser la totalité de la culture de son temps et qui en a fait usage pour le bénéfice de ces populations. Ne perdons jamais cette perspective qu'il y eut un homme semblable parmi nous. Et nous devons nous honorer qu'il fût des nôtres. Et nous devons projeter pour que qu'à l'avenir, les institutions dont on parle ne sont faites que d'hommes. Mais qu'on ait des hommes valables, moralement décents, culturellement denses et politiquement bien assis. Voilà ce qu'on souhaite, si on parle aujourd'hui de Diallo Yassine, c'est en partie pour formuler un tel vœu et une telle prière pour notre nation. Je vous remercie. D'accord. Merci, Bassir. J'allais abonder dans ce sens et aussi conclure ce que Tierno Ibrahim a dit ici, mais il faut aussi des hommes de qualité pour créer des institutions fortes. Et malheureusement, cela nous manque en Guinée. Donc, je vais commencer d'abord par remercier Bachir pour l'exposé brillant qu'il a fait sur la vie de Diallo Yassine et remercier encore toujours Fréquence Gandal pour sa disponibilité. Et je sais que ce n'est pas toujours facile de venir ici tous les soirs et d'informer le public. Je remercie tous les auditeurs de Fréquence Gandal à travers le monde. Je sais que nous sommes très écoutés, surtout nos émissions là sont écoutées et appréciées du public. Donc, comme Bachir vient de le dire, aujourd'hui notre émission a porté sur ce grand homme qui est Diallo Yassine. Et cela, sa vie nous donne ici une leçon. C'est que nous devons tout faire pour qu'on ait des hommes de qualité à la tête du pays et des gens élevés dans des conditions normales, dans des familles normales, et des gens qui ont fait une formation brillante et qui sont des gens intelligents. Parce que nous vivons dans un monde moderne, un monde qui repose sur la technologie et sur les connaissances humaines, les connaissances scientifiques.
On ne peut pas confier ce monde moderne, l'État moderne, à des médiocres, à des incultes. Et la Guinée, tant que les Guinéens insistent à avoir des incultes, des gens avec de faux diplômes, des gens mal élevés, des gens qui n'ont aucune éducation familiale, des gens qui n'ont jamais une responsabilité familiale. Tant que les Guinéens insistent à avoir des gens pareils au sommet de l'État, nous allons avoir le problème que nous connaissons aujourd'hui. Et ces problèmes se traduisent par la souffrance des populations du pays, par l'exil des populations du pays. Donc, nous devons tout faire pour mettre fin à ça, pour ramener la Guinée et donner ce pays aux gens qui ont été élevés par les familles traditionnelles de ce pays. Maintenant, demain, je rappelle que nous aurons notre mission en Poula, et sur un autre cadre de la période coloniale, et Koumandian Keïta, qui fut un enseignant de qualité, un syndicaliste, et qui malheureusement s'est retrouvé dans les geôles du régime de Sékou Touré, et qui a été traumatisé par son séjour en prison, parce qu'il a été torturé, humilié. On lui en a voulu d'avoir pas milité dans le PDG. Et ils lui ont fait payer ça très cher. Et il a vécu avec les séquelles de son traitement en prison pendant tout son séjour, tout le reste de sa vie. Et il en parle. Demain, nous ferons une émission. Nous sommes entrés en contact avec sa famille et nous avons assez d'informations sur lui. Et donc, je remercie encore tout le monde. Chaque année, cette fois-ci, nous allons célébrer Diallo Yassine. Et nous allons faire revenir sur sa vie. Et nous allons chercher des témoignages des personnes qui l'ont connu. Je vous remercie. Be nikira.